Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve à cause d'une situation un peu particulière. Donc je me retrouve obligé de faire un deuxième tirage pour le giveaway des 250 abonnés parce que Karine Blanchette, qui avait gagné le premier tirage, apparemment voulait pas des cartes que je fais tirer. Donc j'ai pas le choix de choisir un deuxième gagnant. Espérons que la personne veuille les cartes parce que c'est comme ça la première règle d'un giveaway. Tu participes pas si les cartes t'intéressent pas. Il me semble que c'est quand même facile à comprendre. Donc, c'est ça. Petit annoncement avant qu'on tire. Si vous voulez pas les cartes, si vous aimez pas les cartes que je fais tirer, ça vous sert à rien de participer parce que ça se peut que je vous pige comme il est arrivé là. Puis là, ça m'oblige à retirer. Puis, honnêtement, c'est une grosse perte de temps pour moi. Donc, c'est ça. C'est pas obligatoire de participer non plus. Vous avez choisi de commenter. Donc, c'est ça. Dans ma tête, je présumais que c'est parce que les cartes vous intéressaient. Fait que là, il nous reste 66 personnes qui ont commenté, parce que j'ai enlevé le commentaire de Karine pour pas qu'elle soit repigée une deuxième fois. Donc, on va espérer que ces 66 personnes-là, ce soient vraiment des gens qui veulent gagner. Fait que, yes, sans plus tarder. Je vais rouler trois fois, puis le troisième nom, ça va être le ou la gagnante. Pour ouvrir cette fois-ci. Donc, je rappelle les cartes une dernière fois, pour être sûr. Denis Gorianov, Premier Rookie. Thomas Hardy, Young Guns. Une Sami Vatanen, autographe recrue. Puis une Jonathan Drouin, patch recrue. Ok, donc, on y va. Premier roll. Benoît Charon qui dit hashtag 250 Winnipeg Conveyors. Ok. Une deuxième fois. Ici on a Benoît Charon encore. Ok, fait que Winnipeg Conveyors. Et finalement, le troisième nom est le véritable gagnant. Bonne chance à tous. AFK Culetus. Hashtag 250, je pense que ça va être Bruins contre Colorado la finale. Puis comme d'habitude, très bonne vidéo. Bon, ben merci. Puis félicitations à toi, c'est toi qui remporte le giveaway pour vrai cette fois-ci. J'imagine que les cartes vont te plaire parce que c'est ça. Fait que yes, juste à me contacter sur Instagram ou par courriel, les deux vont être dans la description comme d'habitude. Puis c'est ça, je vais pouvoir envoyer tes cartes le plus rapidement possible. Donc maintenant que cela est passé, on dézoome. Puis c'est l'heure d'annoncer les détails pour le live de demain, parce que évidemment on est samedi, donc ça laisse pas vraiment de temps pour que les gens soient au courant du live, puis pour que je prépare mes choses. Fait que j'ai décidé que ça allait être demain. Donc demain à 16h, je pense que ce serait une bonne heure. Fait que yes, ça va partir à 4h p.m. demain. Soyez là. J'ai plusieurs paquets à ouvrir, je vous les remontre à l'instant. Donc, premièrement, j'ai un paquet de OPG Premier de 2000, 2000, de 93-94. Donc, un petit paquet bonus que j'avais eu après avoir acheté une carte sur Instagram. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai quatre paquets de Upper Deck de 91-92, deux High Series, puis deux normaux. Donc, voilà. On peut trouver la recrue de Dominic Hašek dans ces paquets-là, fait que ça serait pas si pire. Ensuite, on a un paquet de Heroes and Prospects 2007-2008. Je vais peut-être faire cela rapidement. Ok. Deux paquets Hobby de MVP 2018-19. Ensuite, deux paquets Retail de 17-18 Serie 1. Deux paquets Retail de 2012-2013 Serie 1. Un petit paquet Retail de 2006-2007 Serie 1. Un paquet de Black Diamond 2008-2009 Hobby. Donc voilà. Oh. Bon, ma belle la tombe. Oh. Un paquet retail de 2020-2021, série 1. Puis un paquet hobby de 2013-2014, série 2. Donc, manquez pas ça, ça va être le fun. On va ouvrir des paquets. Si ça vous tente, on peut parler de hockey. Le Canadien joue ce soir, donc on va pouvoir reparler de la game demain, si vous en avez envie. Puis si vous avez des questions, ça va être le temps de les poser aussi. Que ce soit par rapport à la chaîne, par rapport à moi ou whatever. C'est ça. On va essayer que ça dure pas une heure cette fois-ci, mais si on est capable de faire comme un 30-35 minutes, ça serait bon. Ok, yes, rejoignez-moi à 4h demain.
Puis ça va être bien le fun. D'ici là, passez une bonne soirée. AFK Culottis, oublie pas de me contacter pour réclamer ton prix. Puis yes, on se revoit demain. Passe une belle soirée, comme j'ai dit. Puis, bye bye.